Bonjour, bonsoir, ou soir Info 24, c'est Chanel par la Cantre la on a un moment, Chanel Information, hein, pour présenter une nouvelle vidéo. Mes amis, nous allons parler politique, politique et manifestation. Et avant de rentrer dans le détail vidéo, pas oublier, j'aime toujours m'en dire, vous abonner avec Chanel là. Et si vous êtes abonné déjà, invitez vos familles, vos amis, abonnez avec nous. Pour aider nous à avancer, pour aider vous informer tout. Mais bien, nous allons parler causer Jean-Michel Lapin. Comme nous connaissons, Renal Libéris demande pour. Premier ministre a démissionné pour ta facilité, président Jovenel Moïse. Et bien, Jean-Michel Lapin a déclaré tout groupe, tout secteur qui a envie ou elle démissionner, et bien, il y a un seul choix. C'est contribuer avec le Parlement pour organiser ces séance et puis pour ballon vote pour jeter le maire à faire démission, par que sa pièce, son ligne constitutionnelle, c'est là pour passer, l'IPAP démissionner. Et le Premier ministre a tout réagi sous question manifestation hier. Eh bien, en suivant, le Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin pour plus de détails. Sous pouvoir. Nous sommes avec nous en ligne, Premier ministre Jean-Michel Lapin. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Manifestation hier, là, grève qui est annoncée pour jeudi, en visée directement équipe pour faire partie, hein, puisque mouvement SAO a demandé non seulement pour que gagner lumière qui fait sous gaspillage qui te gagne dans le fond Petro-Caribéen, mais tout a demandé départ président Jovenel Moïse. En première question pour nous introduire et échanger ça matin. Hein, qui le sont au niveau de pouvoir là, nous tirer de série mobilisation SAO qu'a fait là. Bonjour encore, monsieur le Premier ministre. Bonjour Pierre Renel, bonjour Guerrier, bonjour tout auditeur qui a branché Radio Caraïbes matin. Donc hier, encore une fois, comme nous habitués d'y l'État est face à une responsabilité qui est constitution en Bali, qui garantit sécurité avec vie. Tout le monde qui a vécu dans le pays. Nous sommes au rendez-vous, l'État est présent. Manifestation, je nous demande de joindre sécurité et l'État lui-même, tout, à travers structure de sécurité, et agit selon les limites de la loi. Ça, nous demandons ça. Nous entendons, nous gardons, nous comprenons, nous voyons des liens. On peuple, on partit de la population, bien entendu, qui a revendiqué. Il était commencé à revendiquer la limite de la loi. À un certain moment, la police est obligée de garantir bien l'autre monde, eux-mêmes, qui va décider de manifester. Donc, la police est obligée de ramener l'ordre. La tranquillité dans la cité. Nous, à continuer présent, chaque reportage du Caraïbe sont belles. L'État, encore à travers l'institut de sécurité, est présent pour nous capables de permettre tout le monde dans la société hein, qui a besoin de vaquer librement à l'occupation. En ce qui a été à grève, il faut dire, n'a pas demandé, n'a posé une interrogation. Dans la grève, ça, qui côté Timon y est, qui côté jeunesse là y est, Timon qui a besoin de l'école, Timon qui a besoin de boucler à l'école, parents qui viennent faire sacrifice, qui payent l'école pour Timon qui arrive dans la période d'examen, jeunesse ça, qui demain, doué venir remplacer ou du moins renouveler toute autorité dans tout côté, dans le niveau député, dans le niveau sénateur, dans le niveau case, magistrat, président de la République, premier ministre, et tout bagage à eux, demander un minimum de formation dans les affaires d'éducation. Est-ce que je veux dire, chauffeur camionnette, syndicat, qui côté petit tué dans la situation ça? C'est ça pour la population, vous comprenez? Est-ce que je dis à mon qui lance grève ça, qui petit tué matin, qui va le passer, qui va l'examen? Ou du moins, dans 8 jours, dans 15 jours, dans 22 jours, qui va l'examen? Je dis à votre maman, à papa petite,
passé, ouais. Et pour y comprendre, pour y questionner, qui côté intérêt petit tué. Nous m'a dit, pour la police, encore une fois, debout, debout, pour y assurer sécurité publique pour tout le monde. Tout le monde qui veut aller travailler, tout le monde qui veut mener petit sur l'école, toute l'école qui veut fonctionner, fonctionner normalement, comme à l'ordinaire. Monsieur le Premier ministre, dans l'intervalle, la guerre, secrétaire général conseil ministériel, Renan Liberus, qui pensait faut à remettre des missions en tant que Premier ministre pour faciliter président nommé au nouveau Premier ministre, débloquer la situation même. Est-ce que vous parlez pour sacrifier ça? Nous mettez déclaration encore une fois, monsieur Renan Liberus, là devant opinion. Parce que je dis, Jean-Michel Lapin, Premier ministre nommé, c'est un blocage lié dans le processus de ratification gouvernement. Nous la gueule, la même opinion publique, et eux-mêmes, il y a beauté, jugement. Mais après, la gueule nous connaît. Rendez-vous, son rendez-vous constitutionnel lié. Tout le monde, tout le monde, tout le groupe monde, qui besoin jeter le gouvernement, ça, il y a contribuer avec Parlement pour faire séance et être capable d'avoir le gouvernement un vote décisif. C'est ça, la Constitution. Non, on vient se considérer confortable. Moi, confortable parce que tout simplement, j'ai moi habitué faible, moi là pour servir l'État. Moi, confortable, et moi, je voulais insister parce que je vous dis, moi, connais que réponse qui portait la situation peuple, il nous a fait sécurité, il nous a fait santé, il nous a fait éducation. Qui ça? Qui proposition M. Liberus a fait pour l'hôpital général? Pas ça, je veux dire. Qui proposition M. Liberus a fait depuis plus que 7 ans, parce qu'il était dans le gouvernement président Joseph Michel Martelly avant, pour professeur qui, depuis 2013, va me toucher. Qui ça? Qui proposition général, Panaïta, ça. Qui ça? Qui proposition, M. Liberus, qui fait pour pas des monde qui viennent dans la Radio Caraïbe, désappointé, les gens ont besoin dans la santé, c'est bon la rue, d'opéral Chita, et les ça pour ambulance à courir, et à faire la navette de l'hôpital à l'hôpital. Je dis, t'es sûr, c'est ça lié. Donc, c'est gagné, il y a l'autre monde, il y a l'autre groupe monde qui capote une réponse au plus vite. Parce que c'est ça la population obtenue, c'est ça la préclamée. Donc, laisse ça moi-même, légalement, comme moi, ça dit, à travers une séance de ratification, laisse ça, il y a un gouvernement, ça, qui est moi-même, monsieur le Premier ministre, à la tête, les sanctions qui est mérité. On a considéré, c'est le peuple-là qui décide. Parce que député, sénateur, qui représente le peuple légalement. Mm-hmm. Jean-Michel Lapin, donc, au niveau Sénat, surtout côté, déclaration, séance, ratification, là, il est bloqué là. Le groupe Catio, il y a des revendications dans le premier temps qui c'était, pour que tout ancien ministre pas présent pour déblayer le gouvernement de Mounsayo. Mais on y a allé plus loin pour dire que, même au moins, on va besoin présenter dans le niveau, Sénat. J'aime ça de l'IA, il y a des seuls, que groupe 4 là, ajouté 12 autres sénateurs sur 4 là, qui fait 16, c'est sa constitution dit, pour eux-mêmes, le dégage en majorité, puis elle dit ça à travers un vote. Ça nous relève le vote de l'Assemblée. Eh bien, d'accord. Merci en pile, le PM. Comme vous êtes, pas trop arrêté ensemble avec nous, pas qu'à Kimbo Trop, mais merci en pile. Merci, merci, merci. Et message là, c'est qui s'allie. Et la police, l'État, à travers structure de sécurité, la police, la justice, sécurité publique, président de l'arrière, je ne constate déjà, pour garantir sécurité, tout le monde, privé, vaquer librement à occupation. Merci, Radio Caraïbe, et merci, tout auditeur, et du content, qui était dans le message là. Mm-hmm.
Merci un peu. Et le président est en difficulté parce qu'il touche des dossiers et qui sont importants pour le pays, qui conditionnent l'avenir du pays, à lever les verrous, les contraintes. Et probablement, il fait cavalier seul sur ça. Il a besoin d'appui pour nos Alendio. Moi, c'est pourquoi je vais souhaiter que le président rencontre nos Alendio pour mettre les dossiers de la République avec des décisions. Donc, jusqu'à présent, là, possibilité d'émission président républicain, pas sous table, on ne peut pas discuter ça avec nous comme conseiller déjà, non? Non, le président, papa, pour qui ça veut démissionner? Non, mais si on veut avoir de la justice, quand même, écoute, il y a la séparation de pouvoir. Donc, il y a le Parlement, si le président font mal qui grave dans l'exercice de sa fonction, sa responsabilité pénale est fixée par l'article 146 de la Constitution. Et, à ma connaissance, depuis le président Jovenel Rivela, depuis 7 février, pas qu'on ait le fond bagaille qui mettait en péril les devenus de la nation, pas qu'on ait le fond de l'État, pas qu'on ait le Dieu monde.